Si ton nom, Jésus, peut tout changer. Et si ta main délivre du danger, combien est grand ta voix à mes côtés, oh. Je me guéris, roi d'Israël, je me guéris, esprit majesté, yeah. Combat mes combats, je me guéris, donne-moi la victoire, oh. Je me guéris, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Yeshua HaMashiach, Jéhovah, oh Jéhovah, 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 tu es Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé.
Oh Seigneur, oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donnais ma vie. Oh Seigneur, oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Pour toi, oh mon Seigneur, je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Oh, je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Je vais t'aimer et ne vivre que pour toi. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donnais ma vie. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh, en retour, Jésus, en retour, je te donnais ma vie. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Oh Jésus, je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi et maintenant. Je ne vais vivre que pour toi. Je ne vais vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi et maintenant. Je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, Dieu de mon salut. Oh, je veux t'aimer, mon Jésus. Je veux t'aimer, oh, mon Jésus. Oh, je veux t'aimer. Oh, mon Jésus, je ne vais vivre que pour toi. Je ne vais vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi et maintenant. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi de maintenant. Oh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer,
Jésus est
Oh,
jamais. Tu règnes à jamais. Pour toi, je vis. Yorabo Shatarabo Sakarabo Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Père, nous te recommandons ces instants. Nous voulons passer avec toi ce moment de prière, ce moment où nous voulons déclarer sur cette nation, ce moment où nous voulons parler sur les dirigeants de ce pays, parler sur ces peuples, parler sur la terre de ce pays. Elohim, bénis toutes choses, commence avec nous et finis avec nous. Que la grâce se répande, que ceux qui participent à cette réunion, de loin ou de près, soient bénis et soient bénis abondamment. Que la grâce coule dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour partager avec vous des moments bénis, des moments de faveur, des moments de grâce. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Moi, c'est le pasteur Timothée Kabasele. À ma gauche, j'ai le pasteur, le prophète Yann Magema. Et après le prophète Yann Magema, nous avons le prophète Phil Messi, Shabbat. Après lui, nous avons le prophète Perle Rema. À ma droite, nous avons le pasteur Flavien Unamoyo. Et à l'extrême droite, nous avons le pasteur Camille Kalonji. Nous voulons passer un temps de prière d'abord, un moment prophétique. Nous allons allumer le feu avant de passer à une deuxième étape où nous allons répondre à une question. Comment relever cette nation? Comment faire pour relever cette nation? Nous passerons quelques minutes là-bas. Chacun aura à peu près 2 à 3 minutes. Nous allons interagir. Ce sera un débat. Et puis, après cela, nous allons rentrer dans un moment prophétique où nous allons parler sur ces pays. Nous allons déclarer sur ces pays. Nous allons déclarer sur ceux qui nous suivent. Et nous allons prier ensemble et terminer. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Prophète Père, vous avez la parole. Conduisez-nous dans un moment de prière, un moment de tension prophétique, un moment intense de prière. Voilà, nous voulons prier. Si nous pouvons avoir un autre micro ici pour le prophète Yann, nous voulons prier. Allons-y. Partout où vous êtes, commencez à partager, invitez des amis, connectez-vous à nous. Ce que j'aime, la Bible déclare, ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni dans un temple que vous adorerez le Père. Mais le Père recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alors de partout où vous êtes, vous pouvez élever vos voix. Vous pouvez élever vos voix, vous êtes, commencez à prier avec nous. Nous allons élever le Seigneur, le Roi de gloire. La Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est. Commencez à élever vos voix. Élevons nos voix ensemble. Élevons Jésus sur cette nation. Marabo Saka. Oh, alléluia, alléluia. Tu peux prier dans les commentaires avec nous. Tu peux dire, Jésus, nous t'élevons dans cette nation. Nous te célébrons, nous t'élevons, oui, nous t'élevons sur cette nation. Seigneur Dieu, nous t'élevons sur cette nation. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Sans toi, nous ne savons rien accomplir. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh,
au-dessus des morts, au-dessus de ta puissance, nous te saluons, Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Ô Père, les saints à beaucoup coulé. Ô Dieu, ce pays a beaucoup souffert. Alors qu'il y a des gens qui évoquent ton Saint-Nom. Il y a un peuple, ô Seigneur, qui crie, qui compte sur toi. Alléluia, alléluia. Oh, les yeux des gens posent la question, où est leur Dieu? Ce pays a été consacré, Seigneur, souviens-toi des alliances. Car tu es les yeux des alliances. Agis, manifeste ta gloire. Manifeste ta grâce. Nous élèvons ton étendard sur cette nation. Manifeste ta gloire. Nous élèvons ton étendard sur cette nation. Jésus, dans les noms de Jésus, Te prions, ô Dieu, tu prennes soin de cette nation. Nous laissons le Jésus de ta justice, ô Seigneur. Nous voulons te voir, ta justice, ô Seigneur, sera intervenue. Car tu es celui qui ne t'est pas coupable pour l'innocent. Oh, tu es celui qui reconnaît celui qui s'est repenti sur lui et qui demande pardon. Seigneur, par ta parole, par ta puissance au nom de Jésus, Seigneur, qui dirigera cette nation dans les noms de Jésus.
à chaque institution de la nation pour soutenir le mouvement avec ses sécheurs. Nous te révochons, dans le nom de Jésus, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta gloire. Laisse que ta gloire vienne, 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 laisse que ta gloire vienne. Père, nous voulons voir ta gloire, alléluia, descendre sur cette nation. Nous voulons voir ta gloire, descendre sur cette nation. Oh nous voulons voir ta gloire descendre sur cette nation. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur éternel des armées. On va désirer l'esprit dans cette nation. On va dire à Dieu, nous ne pouvons rien. Nous pouvons aller de concertation en concertation, coalition en coalition, accord en accord, mais sans l'esprit de Dieu, le Congo ne peut rien. Nous allons désirer le vent de l'esprit sur l'étendue de la nation, le vent de l'esprit dans chaque institution. Nous allons désirer le souffle de l'esprit. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'esprit de l'éternel les mettra en fuite. Et levant nos voix, commençons à désirer le souffle de l'esprit. Prions le Seigneur. Oui, le souffle de l'esprit sur la nation. Le souffle de l'esprit sur la nation. Dans si les ossements desséchés, dans le nom de Jésus, vous verrez prendre la vie puisque la parole et le souffle. Et qui est passé, nous croyons à ce soir que les Congo reprend la vie, les Congo émergent, reprend l'émergence, les Congo mentent. Embrasse ton esprit, souffle Seigneur, dans le nom de Jésus, embrasse cette nation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons voir ta gloire, 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 Père, embrasse, embrasse cette nation, embrasse, marabacha, carabacha, yakaraba, nous voulons voir le feu embraser ce pays, nous voulons voir ce feu dans les coins et recoins de ce pays. Que l'esprit embrasse, que l'esprit inspire, que l'esprit conduise. Charababos, Charababos, Ekerebosa, 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 un feu nouveau, un vent nouveau, un souffle nouveau. Oh alléluia, couvre cette nation. Un souffle La sorcellerie et l'occultisme qui prennent les dessus. Oh, alléluia, dans les institutions. Que ça devienne une honte. Que ça devienne une honte dans ce pays. Que ça devienne une honte. Que ça devienne une honte. Rabâché.
que ça devienne une honte que d'être dans l'occultisme et d'être dans la sorcellerie. De gloire en gloire, Seigneur, allume un feu. Seigneur, allume un feu dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Nous allons faire une prière. Alors que nous sommes en train de prier, l'Esprit du Seigneur est en train de me faire voir une image. L'image que je suis en train de voir, c'est d'une femme. Mais cette femme est tellement bizarre. Elle a des figures de multiples facettes. Clovarat, Clonevas, Cleva. Je vois cette femme avoir comme la figure d'une femme, d'un homme, mais d'un animal bizarre dont l'identification est difficile. Je vois cette femme avoir des cheveux comme un serpent. Et je vois cette femme être très sale, mais je vois cette femme siéger sur les montagnes de cette nation. Et on me dit, cette femme, c'est la corruption. On va prier, on va détruire, on va destituer cette femme, on va renverser la corruption et son influence dans les institutions de la nation. On va renverser, détruire la corruption alléluia, dans la alléluia. Mentalité des Congolais. Élevons nos voix, prions en fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La corruption dans ces pays, cette femme, nous renversons cette corruption. Cette assise sur cette influence. La corruption, l'esprit de corruption. Charababo, kerebo, chapeli, karebo, chatarabo, l'esprit de corruption, nous détruisons. Nous détruisons cette principauté. Nous détruisons cette principauté. Cet esprit, Robachata, de corruption, nous délogeons. Sois corruption. Au nom de Jésus, nous allons te débouloner, te démanteler spirituellement. Et tu vas quitter cette nation. Tu vas quitter cette nation, la corruption. Tu seras vaincu. Robo Shekerebos. Ikerebos Senderebos. Ikerebos Senderebos. Senderebos Shekerebos. Senderebos Shekerebos. Senderebos Shekerebos. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous renversons la corruption. Nous détruisons le pouvoir de la corruption. Nous détruisons le pouvoir de la corruption. Sur cette nation, dans le nom de Jésus, nous renversons le pouvoir de la corruption. Sur cette nation, au nom de Jésus, afin que le pouvoir de la corruption tombe. Que ce pouvoir de la corruption tombe. Que le pouvoir de la corruption tombe. Que le pouvoir de la corruption tombe. Rababoshe, Rababoshe, Rababoshe. Que le pouvoir de la corruption tombe. Que le pouvoir de la corruption tombe. Que cet esprit soit lié. Puisque Jésus est le seul qui règne sur le Congo. C'est toi le roi du Congo. Au nom de Jésus. Oh, nous faisons tomber la marche sur le pouvoir de la corruption. Oh, nous faisons tomber dans le nom de Jésus. Je vois encore une image, mais alors dans le même sens. Le Saint-Esprit est en train de m'amener clairement. Je vois quelque chose. Je vois la source du fleuve Congo. On va orienter nos prières là-bas. Je suis en train de voir des rituels faits pour freiner l'évolution. J'ai vu des esprits, des principautés. Je ne comprends pas ce que je vois dans mon esprit bizarre. C'est comme un tourbillon, mais des principautés qui partent affecter l'eau de la RDC. Et que cette eau qui va entrer, qui alimente même la nation, je vois un fonctionnement subir cette influence occulte. On va aller détruire toute forme de corruption. Toute forme de corruption dans la mentalité congolaise. Toute forme de corruption dans les institutions. Dans ces nouvel élan que la RDC est en train de prendre, on va détruire tout hôtel au niveau de la source du fleuve Congo. Je vois au niveau des lois là-bas. Faisons ces prières. Il y a des choses qui vont commencer. Le signe, qu'est-ce que j'ai dit, vient de Dieu. Retenez, je vois clairement quand nous serons en train de prier après ces choses, cette
années seulement, on va voir beaucoup des arrestations de quelques rebelles au niveau de l'Est et au niveau du Katanga. Amen. Au niveau du Katanga. Alors, prions, faisons des prières d'autorité. Fini la corruption de cette nation. Marasota, déclarons au Seigneur que maintenant, dans le nom de Dieu, au nom de Jésus, ta puissance, ce pouvoir de la corruption, nous prions, Seigneur Dieu, pour la source de Jésus. La grâce, je libère l'onction et je détruis ce pouvoir de la corruption, je détruis tout ce pouvoir de la destruction de cette nation, je détruis cela depuis la source du fleuve Congo, je détruis ce pouvoir, les rituels, les abroges, les rituels qui ont été faits à la source du fleuve Congo, à Lualaba, à Lualaba, je détruis cela. J'anéantis cela. Je déclare la grâce divine sur cette nation. Je déclare la faveur divine. Je déclare la sincérité, l'honnêteté, la moralité dans cette nation. La moralité dans les chefs des dirigeants. La moralité dans les chefs des politiciens. La moralité dans ceux qui sont au Parlement. La moralité à la présidence de la République. La moralité au Sénat. La moralité, alléluia, dans l'appareil judiciaire. La moralité dans l'administration publique, les principautés, les dominations, dans le nom de Jésus, Satan lâche ce pays, Satan lâche cette nation, toi Satan lâche cette nation. Toi, esprit de corruption, lâche cette nation. Oh, nous proclamons la libération. Nous proclamons la liberté. Il est temps que les choses commencent à tomber. Il est temps que les choses, alléluia, que les rituels, les pactes qui ont été faits sur cette nation, on commence à tomber, à se détruire. Dans le nom de Jésus. C'est ma presque dernière requête avant qu'on avance dans des interventions et dans des services prophétiques sur la nation. Je suis en train de voir le Seigneur en train de restaurer beaucoup de choses. Le Seigneur me dit que cette soirée, restez connectés. Il y a des choses, des oracles que Dieu va libérer sur cette nation et des choses qui vont réellement s'accomplir. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me fait voir qu'il sera en train de balayer plusieurs principautés, plusieurs moralités, plusieurs systèmes. J'ai vu le système tomber. Alors on va faire cette prière. On va aller racheter cette nation par le sang de l'agneau. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Yes. Je demanderai à l'apôtre Daddy Timothée s'il peut permettre une certaine liberté à cause de certaines choses qu'on sera en train de dire ici. Yes. Je sens l'esprit de la prophétie envahir mon esprit. Et je sens l'esprit de la prophétie couvrir ces lieux. Yes. Et je sens qu'il y a des choses que Dieu va libérer sur la nation. Maradas Kleva. Allez-y. Kleva la blaso. Je commence ainsi et à la suite, on va continuer le message. La prière qu'on vient de faire vient de confondre plusieurs choses. Le Seigneur même me dit au fur et à mesure qu'on avance vers la fin, si on peut utiliser même un balai, et l'homme de Dieu va balayer, faire un acte prophétique, on va plus faire des actes prophétiques sur la nation, parce qu'il y a des choses qui seront en train de se passer. Yes. J'ai vu des crashs, j'ai vu un crash planifié. Yes. Que ça soit enregistré, j'ai vu un crash planifié. Simplement après ce déconfinement, dans un voyage envisagé pour la présidence, au niveau du Katanga. Mais le Seigneur est en train de me faire voir comment il va dévoiler cela aux yeux de tous, même par les médias. Ce crash va rater et ça sera un complot de quelqu'un qui est non loin.
Mais le Seigneur me dit, la puissance de ces crashs vient de finir. Pourquoi? Parce que c'était à prix d'argent qu'on voulait passer par un certain malaglosa. On voulait passer par quelqu'un qui est au siège de la présidence. Mais à cause de la prière contre la corruption, Dieu a remis la moralité. Et Dieu est en train de me dire, d'annoncer qu'il va commencer à dévoiler toutes ces personnes qui ont freiné l'évolution. Il va commencer à freiner, à dévoiler toutes ces personnes qui ont retardé l'épanouissement de cette nation. Alors on va prier. On va déclarer l'effectivité du sang de Jésus sur la nation. C'est la dernière requête avant qu'on passe dans d'autres interventions. On va prier. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. On va prier et déclarer le sang de l'agneau sur cette nation. Le sang de l'agneau sur toutes les provinces de la RDC. Le sang de l'agneau à l'étranger sur la diaspora congolaise. Le sang de l'agneau sur les institutions. On va faire ces prières agressives. La Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élevons nos mains où vous êtes. Battez les mains, priez avec nous. Élevons nos voix. Déclarons l'effectivité du sang. L'effectivité du sang. Le sang de la RDC. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh Seigneur, par le sang de Jésus, nous sommes en train de déclarer la victoire du sang. La RDC est sanctifiée. La RDC est purifiée. La victoire de l'immoralité. La victoire du sang de la corruption. La victoire du sang de l'injustice. La victoire du punie au nom de Jésus. La victoire de l'agneau. Tout ce que l'ennemi avait préparé. Les cieux de gloire au nom de Jésus. Nous proclamons du sang. Proclamons l'activité du sang de l'agneau. Seigneur, nation, les décollages de ce pays. La RDC a réussi. Nous déclarons le nom de Jésus. La Bible déclare ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Proclamons le sang de Jésus sur toutes les provinces. Nous proclamons le sang de Jésus sur, ô Seigneur, la diaspora de la RDC. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nettoie les mauvaises pensées, la haine, la division. Au nom de Jésus-Christ, la corruption. Au nom de Jésus, proclamons par le nom de Jésus. Merci Seigneur. J'aimerais que là où tu nous suis, que tu acclames très fort parce qu'il y a des grandes choses sont en train d'arriver. Il y a une concentration dans le monde spirituel en ce moment ici. En fait, tout ce que le prophète Perle était en train de dire, ça se faisait comme en connexion. C'était des choses que je percevais, que je voyais pratiquement. Il a parlé d'un accident, du crash. Moi, je voyais au-delà du crash planifié pour le président, je voyais un sabotage des avions. Et j'étais en train de voir plusieurs avions après les confinements, en fait. Lorsqu'on a commencé à relancer les voyages, on relançait les voyages à l'intérieur. Et j'ai vu qu'il y a déjà quelque chose qui se prépare maintenant pour que l'on puisse saboter les avions. Et j'ai vu qu'on a utilisé des personnes à l'intérieur des entreprises, des sociétés de voyage, des sociétés d'aviation, pour qu'au travers d'eux, qu'il y ait beaucoup de sang. Parce que je voyais une femme, comme il avait vu, mais moi je voyais une autre femme. Elle n'avait pas de cheveux comme des serpents, mais cette femme-là avait du sang ici dans la poitrine. Elle avait beaucoup de sang. Elle réclamait du sang et j'entendais l'esprit qui me disait, cette femme-là, c'est l'esprit qui réclame le sang. Qui a toujours réclamé le sang et qui a besoin d'établir des nouveaux hôtels sur la nation, mais des hôtels qui vont être élevés après les confinements. Et il a prévu, puisque c'est une principauté, c'est un esprit de l'air, il a prévu qu'ils prennent les gens au travers des avions. Et c'était pratiquement dans la ville, on voyait des avions et des avions et des avions. Mais Dieu qui est le Dieu qui exauce les prières, qui est le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui exauce la prière, il s'est levé alors qu'on priait et il nous a demandé de prier. Donc j'aimerais nous demander d'aller, de rentrer dans ce mouvement de crash, mais de commencer à briser, à prendre même ces personnes, que ces personnes soient exposées, qu'on puisse les arrêter. Et que les complots soient dénichés. Et que ça soit public.
Que ça ne soit, qu'il n'y ait pas seulement ce procès qui soit public. Que la honte des ennemis de la RDC soit aussi publique. Yeah. Qu'il soit arrêté et que le Dieu qui expose commence à les exposer au nom de Jésus l'un après l'autre. Nous battons les mains et nous prions au nom de Jésus. Toi qui es le Dieu de Jésus, toi qui fais dans le nom de Jésus, merci pour la délivrance de Jésus, ce pays, merci pour avoir fait échouer à l'ennemi tous les blocs, car tout ce qui est déjà dévoilé est déjà fondé. Tout ce qui est arrivé, les ténèbres et les points de Jésus, il n'y a rien qui peut rester caché avec cette nation. Que tout ce qui est caché soit dévoilé. Papa, nous voulons voir des arrestations. Des arrestations des gens, des ennemis de la République. Tout ce qui fomente des coups, tout ce qui recherche le sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie dans cette direction. Dans le nom de Jésus. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu une autorité, mais au fait, je vais le dire, mais je ne vais pas donner tous les détails, mais je donne. J'ai vu une personne tomber, mais au niveau de la RVA. C'était une autorité, c'était une personne qui avait derrière lui comme ce que. Contre quoi nous allons prier maintenant? La chose que je voyais, c'est que j'étais en train de voir un ensemble des autorités traditionnelles. Des autorités traditionnelles. Une équipe, ce sont des réunions qui ont commencé à se faire depuis très longtemps. Ils sont en train de réclamer le sol. En fait, ils disent ceci. C'est exactement ce que j'entendais. Ils sont en train de dire, dans ce pays, nous sommes habitués que c'est nous qui dirigeons. C'est nous qui donnons des directives. C'est nous qui donnons des directions à l'autorité en place, de manière à ce que la nation soit sous la couverture de nos alliances. Mais depuis que cet homme est venu, il a récupéré le trône et il est en train de donner le trône à son Dieu. Il est en train de donner le trône à leur Dieu. Ils se sont réunis pour compliquer son règne. Compliquer son règne. Lui faire tellement échouer au fait. Plusieurs sacrifices qui se font, ce sont des sacrifices qui se font par certaines autorités qui sont occultes. Ils travaillent en synergie parce qu'ils veulent faire capoter le règne. Ils veulent le mettre dans des conditions en sorte qu'ils se disent, je n'ai pas le choix, je dois faire allégeance à l'occultisme. Et l'esprit me disait, c'est à cause de ça que l'église doit se lever. C'est à cause de ça que l'église doit se lever parce que c'est le temps pour nous de récupérer la nation et de le donner à Alléluia. Jésus. Et notre prière va aller dans ce sens-là. Nous allons faire tomber ceux qui réclament la terre. La terre n'appartient pas à l'État. Non. Ça, la terre appartient à Elohim. Amen. Ce sol du Congo appartient à Adonai. Amen. Nous allons réclamer ce sol. Ceux qui se disent autorité de ce sol, nous allons les dépouiller. Nous allons briser leur alliance. Comme à la tour de Babel, ils vont connaître la confusion. Nous allons semer la confusion. Qu'ils se dispersent, que leur complot échoue contre l'autorité établie et contre le sol de ce pays. L'occultisme ne régnera pas, la sorcellerie ne régnera pas, les traditions ne régnera pas, c'est Jésus qui va régner. Nous battons nos mains et nous faisons tomber ce trône. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous détruisons les conciliabules, les conciliabules, les conciliabules, les conciliabules, les conciliabules, les conciliabules, les
étoiles de la terre pour réclamer le droit de la terre et redonner à des sols païens, à des idoles, à des idoles. Et cette terre n'appartiendra plus à des idoles. Amène-tu de l'autorité divine, du pouvoir divin qui nous a été conféré en tant que fils de Dieu de cette nation. Je récupère la terre, je récupère la terre, je récupère le pouvoir de la terre, et je récupère les rites par le Ramon Cotonia, Ramon Zegate, Ribe Zugata, papa, je récupère le pouvoir de la terre, et je suis dans la héroïque, je récupère le pouvoir de la terre, la vie de tous, la vie de mon pied, c'est du Congo, la vie de mon pied, c'est du Congo, je récupère le pouvoir de la terre, et je redonne la héroïque, dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Chakarabo Koto Robosi, Ramakoto Robosi, Ramakoto Robosi, Ramakete Rebosa, Ramosa Tarabosa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, confusion dans le camp, confusion dans le camp, confusion dans le camp, les prophètes barrent, les prophètes barrent, les prophètes barrent, qui sont les vies, les prophètes barrent, dans le nom de Jésus, 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 papa. Nous récupérons le pouvoir de la terre et nous le redonnons au Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous qui êtes en train de nous suivre maintenant, Jésus, je vous demanderai vraiment de vous mettre en accord avec nous dans la prière. Parce que l'Éternel est en train de révéler des choses et nous croyons qu'après ce moment de prière, l'Éternel va réellement relever notre pays. Amen. Lorsqu'on dit que l'Éternel va relever le pays, il ne relèvera pas les institutions seulement, mais il va aussi relever le pays. Amen. Pendant que les hommes de Dieu étaient en train de parler, ce même première des choses que j'ai eu à voir, j'ai vu un ange de la mort. Mais cet ange de la mort se dirigeait précisément, j'étais en train de voir la Tchangou. Quand j'ai vu cette vision, j'ai vu des morts en cascade, des hommes et des femmes qui tombaient sur les rues. Et l'Éternel était en train de me faire comprendre une chose, qu'il y a un esprit de mort qui est en train de planer sur la ville de Kinshasa. Et le signe que Dieu m'a dit, vous allez vous rendre compte que les morgues et les cimetières seront rapidement envahis. Et l'Éternel m'a demandé qu'on puisse se lever. Pourquoi se lever? Parce qu'il y a le monde occulte qui réclame beaucoup de sang afin de détruire même les institutions de notre pays. Alors j'aimerais que bien aimé dans le Seigneur, là où nous sommes, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu que cet ange de la mort maléfique qui veut emmener la mort. J'ai vu précisément Django être envahi des morts et des deuils en cascade. Nous allons dire à Dieu que cet esprit soit loin du peuple congolais. Que cet esprit soit déjoué. Est-ce que là où tu es, tu peux frapper tes mains? Et nous sommes en train de chasser cet ange de la mort maléfique qui vient pour détruire la population de notre pays. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus,
Éternel, qu'on dise que ce Covid-19, il y a des morts de cascade. Et qu'on dise que ce Covid-19, nous nous élevons contre cet esprit de la mort. Nous nous élevons contre cet esprit de la mort. Nous nous élevons contre cet esprit de la mort. Nous renversons cela dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous étions en train de prier, l'Éternel m'a dit que nous devons prier pour l'est de notre pays. J'étais en train de voir Bukavu, j'étais en train de voir Uvira. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des catastrophes naturelles. Et j'ai vu le monde mourir. J'ai vu beaucoup de gens perdre le membre de leur famille. Mais j'étais à Bukavu, mais particulièrement je me suis vu comme à Uvira. Et j'ai vu des catastrophes naturelles. J'aimerais que nous puissions prier. Peut-être que tu vas dire que cela ne te concerne pas parce que tu n'as pas de la famille là-bas. Mais moi je crois que nous devons prier avec de cœur patriotique. Nous sommes en train de dire à Dieu que l'Éternel épargne cette province de catastrophes. Que l'Éternel épargne ces provinces de catastrophes. Mais en même temps, j'ai vu un désaccord. J'ai vu un désaccord que l'ennemi veut faire régner. Mais j'ai vu deux provinces. J'ai vu la province du Congo central et j'ai vu la province du Maïndombe. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les chefs coutumiers de ces deux provinces être en désaccord avec le gouvernement de Kinshasa. Et l'Éternel est en train de me dire que quand ces choses vont arriver, ce sont des dossiers à traiter avec beaucoup de sensibilité. Parce que ce dossier peut créer beaucoup de morts dans les deux provinces aussi. Alors la première des choses, nous allons prier pour ce catastrophe que j'ai vu. J'ai vu des catastrophes naturelles que l'Éternel épargne. Mais nous allons aussi demander à Dieu que ce conflit que le monde des ténèbres veut faire régner dans ces deux provinces, j'ai vu la province du Maïndombe et la province du Congo central, que l'Éternel nous épargne. Que l'Éternel nous épargne. Le Congo sera un et uni. Le Congo ne sera pas divisé. Alors nous devons prier pour que cet acharnement dans ces deux provinces n'arrive pas. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et nous prions le Seigneur que les catastrophes naturelles n'arrivent pas? Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant 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 de Jésus. Je te prie, ô Dieu, d'épargner, ô Dieu, la population de l'Est. Des catastrophes. Papa, nous prions contre ces catastrophes naturelles. Sauve Uvira. Dans le nom de Jésus,
je te supplie, je te supplie, je te supplie, dans le nom de Jésus, de ce catastrophe de Jésus, à Bouka, à Ouvira, dans le nom de Jésus, contre cet esprit, et qui se lève, qui se lève à Maïnobé, au Congo central, ces esprits qui se lèvent, au Ramakoto Rogo Sandala, alléluia, qui se lève, pour qu'il y ait de l'ouvre, pour qu'il y ait, alléluia, des accords avec le pouvoir central, et la tranquillité. Oh, nous ne voulons pas des accords. Alléluia. Oh, Ramachaka. 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 Avant que le révérend peut-être ne reprenne la parole, yes. Mais au fait, pendant qu'on était en train de prier ici, ça, l'esprit insistait. J'ai vu, alors que le prophète Yann parlait de deux provinces, moi j'ai vu qu'on ajoutait l'Ituri. Je ne sais pas si dans les découpages c'est déjà devenu une province, mais déjà, je pense. Déjà. Ok, j'étais à l'Ituri et je voyais un grand mouvement ressurgir encore. Mais ça, c'était une rébellion. C'était vraiment une forte rébellion, ressurgir à Ituri. Différemment de Bakungo et de Maïndombe, ça n'avait rien à voir avec les autorités traditionnelles. Mais ça avait à voir avec une rébellion. Un mouvement rebelle, un mouvement armé qui était en train... Au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que toujours dans la pensée de déstabiliser... Au fait, j'insiste, toujours dans la pensée de déstabiliser le gouvernement en place, l'autorité du pays en place, qui établit Dieu au centre de tout. Puisque la louange et l'adoration, les cultes et tout le reste de la nation commencent à aller vers le trône du Seigneur au travers de l'autorité établie. Et voilà la raison pour laquelle de l'autre côté, on veut déstabiliser. J'ai vu un grand mouvement à Ituri, une grande rébellion, nous allons prier contre ça. Mais la deuxième des choses, c'est que j'étais ramené en esprit ici, à Kinshasa, et j'étais en train de voir un grand mouvement de soulèvement. J'ai vu un très grand mouvement de soulèvement, et j'étais en train de voir des soulèvements, des marches. C'était du désordre qui a mené comme à quelque chose comme de pillage. Et c'est quelque chose en esprit, alors que je suis en train de parler, l'esprit de la prophétie est en train de m'amener comme dans un calendrier, et on me montre pratiquement, on souligne comme 2 semaines. C'est-à-dire, c'est comme un mouvement, si on ne prie pas maintenant, ça va surgir à 2 semaines. Et je voyais plus précisément la chose être lancée à Rompoengaba. Je voyais que j'étais à Rompoengaba et le mouvement commençait là-bas, à Rompoengaba. Il y avait un mouvement et ça allait dans les carrefours à Kintambo ensuite. Quelle est la chose? C'est que pendant que nous sommes en train de prier et qu'il y a beaucoup de... Dieu a donné la conscience à l'église, à plusieurs hommes de Dieu de prier pour la nation... Il y a des hôtels, je voyais le sol de Kinshasa s'ouvrir. Je voyais ça s'ouvrir et je voyais des hôtels des ancêtres sataniques et diaboliques qui étaient en train de sortir et plus au rond-point de Kintambo. Parce que l'esprit me disait, comme Kinshasa a commencé à Kintambo, il y a un grand hôtel qui avait été semé. Ça fait des années là-bas. Alors que nous sommes en train de prier, Dieu demandait aussi qu'alors que nous allons prier pour des endroits pour contre ce travail, contre ce désordre-là, ce soulèvement, ce marche qui va faire des morts. Je voyais des morts, des balles réelles. Je voyais des balles réelles qui se crépitaient dans la ville. Mais on devait prier plus particulièrement pour Kintambo et pour le rond-point. Parce qu'il y avait des hôtels que Dieu était en train d'enlever. De sortir du sol. Et la troisième des choses que je voyais, c'est que Dieu m'a mené au ciel et il me montrait le drapeau, notre drapeau. Mais notre drapeau, bizarrement, je ne comprenais pas la vision que je faisais et je voyais que le drapeau était sur le corps d'un homme. Cette ratoliga va être cet homme brillait. C'était un homme, c'est pas un ange. C'est pas un ange, c'est un homme. Mais quand je regardais bien, il était rempli de puissance, rempli de lumière. En sorte que si tu n'es pas spirituellement, tu n'as pas grandi, tu peux te prosterner devant lui. Et je regardais bien, je ne le connaissais pas. Il avait un autre visage, comme le visage d'un fils de Dieu. Mais l'esprit me disait que cet homme-là s'appelle Alexandre Aïdi Nabal. Yes.
Cet homme-là, c'est Alexandre Haïdi Nabala. J'ai vu le drapeau être haussé. Il a le drapeau dans son corps. J'ai dit, mais Seigneur, cet homme de Dieu est déjà parti, ça fait des années. Il a dit, lui, l'homme est parti. Mais l'esprit apostolique que j'avais fait habiter en lui n'est pas parti, cet esprit est resté. Et j'étais en train de voir que Dieu m'a dit, j'ai fait des alliances avec cet homme, pas seulement pour Nzambe Malam, pas seulement des alliances qui devaient s'arrêter avec lui. J'ai fait des alliances pour la nation congolaise. Des alliances où Paraïdi Nabala, j'ai pris possession de ce pays et le pays m'appartient. Et Dieu me disait que à cause de cette alliance, à cause des choses que je voyais, Dieu m'a dit, je suis en train de libérer l'alliance d'Haïdi Nabala. Je sens que j'écoute Dieu me dire qu'il fait de cette alliance une alliance nationale. Bientôt il va se révéler dans plusieurs personnes. On va voir des miracles s'opérer encore. On va voir des mouvements. L'église va encore être récupérée, relevée dans la nation, parce que le relèvement de la nation sort de l'église. Dieu est en train de ramener l'église dans la crainte de Dieu. Il ramène l'église dans la consécration. Il ramène le Dieu dans la spiritualité. Il ramène l'église dans le respect du sacré. Comme les alliances qu'il avait fait avec Haïdi Nabala. Les alliances du sacré. Et Dieu ramène l'église là-bas. Ça, c'était une bonne nouvelle. J'aimerais que là où tu nous suis, que tu acclames déjà, parce que le Dieu des alliances est en train d'opérer. Nous allons prier contre le mouvement dans la ville de Kinshasa. Et nous allons prier contre le mouvement rebelle à Ituri. Nous sommes des guerriers. Et nos prières accomplissent des choses inimaginables. Il y a un grand mouvement angélique dans la nation. Et les démons, Satan a peur en ces moments ici. Nous allons battre nos mains et prier et détruire cette œuvre du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous prions. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un message que Dieu m'a donné. L'Éternel était en train de me parler d'un rétablissement des choses dans notre pays. Alléluia. Et Dieu m'a montré des signes. Les signes que j'ai vu des gens mourir. J'ai vu des grands piliers des partis politiques mourir. J'ai vu un grand pilier mourir à l'UDPS. J'ai vu un autre pilier mourir au FCC. Je confirme cela parce que
Mader, pasteur Joël vient de m'écrire tout de suite pour dire que le président de la République va perdre quelqu'un de très proche. Wow. Donc quelqu'un de l'UDPS, un pilier, quelqu'un de très important qui va tomber. Et tu viens de le dire. Je l'ai ici dans WhatsApp, on vient de m'envoyer ce message-là et tu viens de le dire. Je m'associe à ça pour donner une précision. Pendant que vous parlez de ça, j'aimerais partir même avec le nom. Ce sont des indications. Le micro là, est-ce qu'il passe? Le micro passe. Ok. J'aimerais confirmer ce message et ce qu'on vient de donner dans le sens où j'ai vu dans ce qui arrive, on est en train comme d'acquitter Jean-Marc Kabound, mais ça crée comme des divisions et des tumultes. Et j'ai vu comme s'il était la cible, mais j'ai vu ça a pris quelqu'un d'autre et qui était dans l'UDPS. Ouais. Mais c'est à cause de ce mouvement de Jean-Marc Kabound en rapport avec l'Assemblée. Et s'il y aurait des marches, ça va commencer par l'UDPS parce que je vois juste après le déconfinement, il y aurait des marches qui vont commencer. Et j'ai vu, selon ce message, un plan comme d'assassinat, d'attentat contre un proche, mais qui est pilier à l'UDPS, et c'était Jean-Marc Kabound. Et j'ai vu le signe ou la cause de cette attaque, c'était l'acquittement. Je ne sais pas, je crois que le dossier n'est pas fini, mais j'ai vu on a acquitté et j'ai vu des gens vouloir faire entrer des recours, mais le premier signe c'est que j'ai vu on a acquitté Jean-Marc Kabound. Je continue mon message. Ouais. J'ai vu un pilier mourir à l'UDPS et j'ai vu un autre pilier mourir au FCC. Le pilier qui meurt à l'FCC, ça va tellement faire du bruit, et l'Éternel m'a dit: quand ces choses vont arriver, si je peux le dire comme ça, que les gouvernants de notre pays prennent conscience que l'Éternel est prêt à visiter notre pays. Yes. Et que chacun doit mettre la main afin que notre pays avance. Yes. Et le deuxième message que j'ai eu, j'ai vu un homme de Dieu de la République démocratique du Congo. J'ai vu l'église perdre un grand pilier, l'église du Congo. Yes. J'ai vu un homme de Dieu, un grand homme de Dieu partir. Et cet homme de Dieu est de la province du Kasaï. Je confirme. J'ai vu quelqu'un comme du Kasaï, un grand homme de Dieu, et l'église a perdu cet homme de Dieu. Et j'ai posé la question: Seigneur, pourquoi la mort de cet homme de Dieu? Dieu m'a répondu clairement: la mission de mon serviteur sera finie et je le récupérerai. Mais nous allons prier le Seigneur. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Lorsque David et ses compagnons furent en déportation, le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'on puisse chercher des Hébreux, des Juifs intelligents. Daniel, des Hébreux intelligents qui pouvaient être formés dans la cour du roi afin de travailler avec le roi. Bien aimé dans le Seigneur, le Congo a besoin de prières, oui, mais le Congo a besoin des hommes intelligents et animés de bonne volonté et de bonne motivation pour que le pays avance. Amen. Nous allons dire à Dieu que Dieu envoie des hommes intelligents et intègres pour que notre pays avance. Amen. Vous savez, on a l'habitude de dire que Joseph n'avait pas appris entre guillemets l'économie en Égypte. Il était dans la maison de Potiphar et après il est devenu gouverneur de l'Égypte. Mais lorsque vous rentrez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que dans les temps en Égypte, lorsqu'on était esclave, ce n'était pas quelqu'un qui était incarcéré, non. C'était quelqu'un qui était pris du lot, qu'on mettait comme dans un centre de rééducation pour qu'il apprenne la science et la connaissance égyptienne. C'est pourquoi vous allez voir, après avoir expliqué le rêve qu'avait le roi, il a donné la solution. Et la Bible dit que le roi a dit: mais comment, où peut-on encore trouver quelqu'un de si intelligent comme ça? On n'a pas parlé de où peut-on trouver quelqu'un d'aussi spirituel comme ça. Que Dieu nous emmène des hommes spirituels et Amen. Des hommes intelligents. Amen. Qui vont donner à ce pays
une autre propulsion et que le pays avance. Amen. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons prier le Seigneur? Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux demander à Dieu que Dieu visite l'intelligence des Congolais? Fais le Seigneur, dans le nom de Jésus, papa, des hommes intelligents et d'une bonne moralité dans cette nation, afin que le Congo se relève dans le nom de Jésus. Avec ton esprit, alléluia. Je suis en train de voir une personne, je ne sais pas s'ils sont en couple, mais une personne que Dieu veut visiter. Mais je vois la femme être enceinte. Je ne sais pas si elle est déjà enceinte, mais je vois une grossesse. Mais je pose la question à Dieu: pourquoi tu me montres cette grossesse? Dieu m'a dit, ce couple aura un enfant. Et la venue de cet enfant va emmener une certaine bénédiction dans ce couple. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends comme le nom de Niembo. 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 J'entends le nom de Niembo. Mais j'ai vu comme la femme étant enceinte. Mais quand elle enfante, l'enfant vient avec une forte bénédiction, parce qu'ils sont quand même en train de vivre des situations assez compliquées ces derniers temps. J'ai vu comme les finances qui se sont bloquées. Mais Dieu me dit que l'Éternel entre dans votre maison et l'Éternel accepte. La Niembo que je vois, elle n'est pas claire de teint, elle est sombre. Si vous connaissez cette Niembo là, si vous la connaissez, réagissez, parce qu'il y a un message de gloire pour elle. J'ai vu une visitation qui entre dans sa maison. Et l'Éternel m'a dit qu'il a écouté tes prières et que Dieu se souvienne de vous. Là, je parle de maman. C'est qui? C'est ta maman spirituelle. Donc cette Niembo, il faut l'appeler pendant que nous sommes en direct ici. Il faut l'appeler. Tu lui dis que l'Éternel l'a visité, que l'Éternel s'est décidé de lui faire énormément du bien, et que même le combat qu'elle a vécu par rapport au ministère, parce que il faut dire que c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de gens dans son ministère. Mais l'Éternel veut la relever et donner un autre sens à sa vie. J'ai vu un enfant glorieux venir. Il faut l'appeler. Que l'Éternel bénisse. Il faut l'appeler. Si elle peut nous suivre, elle peut aussi. Elle peut se connecter. J'ai envie de dire à quelqu'un que le ciel est très ouvert ce soir. Alors là où tu es, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donne-moi un très bon amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. 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 J'aimerais confirmer avant que les hommes de Dieu, les prophètes prennent la parole, s'il y a d'autres messages, que les deux messages que Pasteur Joël Kabassé m'a envoyé par WhatsApp tout à l'heure, ont été déjà dit. Je voulais les dire, mais ça a déjà été dit dans ce que vous avez dit. Elle voyait le président comme avec une canne. Cette canne a été brisée. C'était ces piliers-là de l'île de Besse. Un homme très proche de lui qui va disparaître.
Et c'était comme un pilier très important. Aussi, vous l'avez déjà dit ici, je ne sais pas lequel de vous l'a dit, qu'il y aura beaucoup de des actions de sabotage pour que la gouvernance de l'actuel pouvoir puisse échouer. Il y aura beaucoup de sabotage au point où le peuple sera tellement déçu. Le peuple sera tellement déçu et le peuple va se désolidariser. Donc, il faut prier pour ça. Ceux qui nous suivent, si vous aimez le Congo, priez pour ce Congo parce que si ça ne marche pas, c'est le retard que nous avons, c'est tout le monde qui va souffrir. Ce peuple a déjà beaucoup souffert. On ne va pas continuer à souffrir à cause de nos divisions. On ne doit pas accepter de continuer à souffrir. Hein? Quand il y aura des sabotages, il y a des gens qui ont des mauvais cœurs, qui veulent qu'il y ait des actions, des sabotages, tout ça. Mais c'est le peuple ici qui va continuer à souffrir. Donc je demande au peuple congolais de s'élever, de prier pour que ces actions de sabotage-là échouent. Est-ce que, prophète Père, on peut chanter un cantique là, hein? Cantique de sacerdoce et Abunganga. Et puis on rentre dans les prophétiques encore. On pourra, pasteur Camille, on pourra commenter même à la fin, avant de terminer, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Elle est en ligne. Ok, qu'elle reste en ligne. Est-ce qu'elle est en ligne? On nous dit que cette servante de Dieu, Niembo, est en ligne. Elle peut confirmer ce que nous venons de lire. Elle peut écrire. Est-ce qu'elle peut réagir? Est-ce que tu peux recommencer le message pour qu'elle suive et qu'elle réagisse à ce message? Servant de Dieu, je voyais ceci. Je voyais une restauration. Je voyais que l'Éternel était en train de vous visiter. Je vois Ariel Shabbat Si Niembo. C'est un homme ou une femme? Niembo, c'est un homme ou une femme? C'est un homme ou une femme? Niembo, c'est une femme. C'est une femme. Ouais, d'accord. Ouais. Moi, je voyais une femme. J'ai vu une restauration de la part du Seigneur, mais qui venait d'un enfant qui naissait. Et l'Éternel était en train de me dire que cet enfant va emmener une bénédiction. Pourquoi? À cause des moments difficiles que vous aviez vécu, non pas seulement dans votre vie sociale, mais aussi dans votre ministère. J'ai vu, vous aviez beaucoup travaillé pour le Seigneur, mais à un moment, il y a comme des gens qui vous ont lâché, qui sont partis. Et l'Éternel est en train de me dire que c'est le moment où il va vous restituer des hommes et des femmes intègres et fidèles. Parce que dans le temps, Dieu vous avait, il y avait autour de vous des hommes capables, mais pas fidèles. C'est pourquoi il y a même eu comme un moment de tumulte. Alors que vous étiez d'abord en train de rassembler les gens, je ne sais pas pourquoi. Je vous vois d'abord rassembler les gens au départ dans une maison. Je vois dans une maison, je ne vois pas un endroit, mais c'était dans une maison. Les gens ont commencé à venir parce que au-delà de la grâce de la parole que vous avez aussi une Alléluia. Grâce de la prière yes. et une grâce de la prophétie. Ça, je yes. le vois. Yes. Les gens étaient en train de venir, mais ce n'étaient pas des gens fidèles, c'était des gens capables. Mais l'Éternel me dit qu'il y a une grâce que l'Éternel déverse sur vous, yes. maman. Alléluia. Et je prie que le Dieu yes. des esprits des prophètes accomplisse parfaitement cette parole. Que votre ministère soit restauré totalement et que votre vie sociale soit restaurée. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Mungu wa uwezo we Mungu we Kimbilio kya ba Kristu Ni wewe Wa kusema na kutenda E Mungu wa wetu E Mungu wa wetu Oh ni wewe Mungu wa uwezo we ni wewe Kimbilio kya ba Kristo ni wewe Wa kusema na kutenda Mungu wetu Rema de flou de casine hatel e Mungu wetu Chante encore ça ni wewe Mungu wa uwezo we ni wewe Kimbilio kya
ba Kristo ni wewe wakusema na kutenda e Mungu wetu e Mungu wetu yatata wa majeshi ni Bwana milombelo ya miye milombelo wa mi milombelo ya miye milombelo wa mi yatata wa majeshi ni Bwana milombelo ya miye milombelo wa mi milombelo ya miye milombelo wa mi wa majeshi ni Bwana milombelo ya miye milombelo wa mi 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 senga senga mukwashi senga 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 mukwashi senga ke tumwite senga yo senga senga mukwashi senga ke tumwite wa majese senga senga mukwashi senga ikyobe kyaba yobe kyaba kyakulonga biyuke no nebya tumbo ikyobe kyaba yobe kyaba kyakulonga biyuke no que tu m'aies wa moule senga senga mukwashi senga que tu m'aies wa majeshi senga senga mukwashi senga ikyobe kyaba ikyobe kyaba kyakulonga come on biuke no ebiatu ikebe kyaba yobe kyaba yakulonga yakulonga biuke no ebiatu Azata wa mule Watata wa mule Basenga wa mule Basenga wa mule Shuka 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 Basenga wa mule Basenga wa mule Senga 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 wa mule Come on Senga wa mule Senga
moule, c'est la wa moule, c'est la wa moule, ou tout loulé va boucle, 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 c'est la yo lele, c'est la yo lele. Senga yo lele, alléluia. Senga, senga yo lele, senga yo lele, senga yo lele, alléluia. Senga, senga yo lele, senga yo lele, senga yo lele, alléluia. Oh, senga yo lele, senga yo lele, senga yo lele. Alléluia. Yesu est tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga. Tama basako tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga. Yesu est tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga. Yesu est tozobenga yo. Tozobipeteo. Tozobenga yo. Yesu est Kitalola esa pambateo. Kitalola esa pambateo. Lola esa confidente. Kitalola esa pambateo. Lola esa confidente. Lola esa confidente. Lola esa confidente. Ewa esa confidente. Ewa kona mi esa confidente. Ewa kona mi esa confidente. Ewa kona mi esa confidente. Shala kona mi esa confidente. Il est stable. Sois stable. Sois la coronate. Sois la coronate. Sois la coronate. Sois la coronate. Lola ezana aucun kae lele o. Au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Oh Seigneur, pendant que nous sur terre, il y avait déluge, pendant que plusieurs criaient Noé, mais tu étais assis sur ton trône. Des paroles, oh my God, qui t'imposent sur la nation. À chaque labo, il veut une adoration prophétique. Nous allons dire comme il nous a appris, que ton règne vienne. C'est la prière que nous faisons maintenant. C'est l'adoration que nous faisons maintenant. Que ton règne vienne sur la nation. L'atmosphère est chargée. Que ton règne sur l'église. L'atmosphère que ton règne vienne sur Kinshasa. Que ton règne descende. Que ton règne que les
ennemis se dispersent. Que ton règne vienne, que les prophètes débarquent. Ton kingdom. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains et agir le règne de Dieu? Le règne de Dieu. Là où tu dis sur, tu bats les mains. Tu es en train de faire sur ton trône. Le règne de Dieu. Le gouvernement de Jésus. Dans la présidence. Dans le gouvernement de Jésus. Dans le parlement. Le gouvernement de Jésus. Que lui il règne. Les a confinés. Je les ai confinés. Shalama, Osarabosha, Oraboshite, Orabaya, Orabaya, règne sur la nation, règne sur la nation, règne sur les institutions, règne dans les hôpitaux, règne dans les quarantaines, règne dans les quarantaines, règne dans la démarche, entre là où on a mis les gens en quarantaine, sors des personnes, impose ton règne. La maladie ne régnera pas, l'occultisme ne régnera pas, c'est toi qui règne. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir maintenant même, elle est connectée. Je crois que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Tu n'as pas les corona, mais tu sens des manifestations de ce genre. Tu vas simplement te manifester, c'est pas le corona, c'est comme une grippe que tu as et c'est actuel. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un de très proche, mais vous êtes dans la même maison. Il y a une guérison qui tombe sur cette personne. Parce que je voyais un nom où on m'écrivait comme grâce. Vous êtes connecté, grâce. Tu peux te manifester. C'est soit toi ou dans votre maison où tu es. Il y a quelqu'un qui est malade et cette maladie allait le mener à la mort. Mais le Seigneur est en train de guérir cette personne. Dans cette atmosphère d'adoration, le Seigneur est en train de te guérir. Sharabosaka. Yekerebo Shande. Oh Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, thank you Lord, thank you Lord, alléluia, alléluia, shekerebesa. Mais je ne sais pas si ici dans la salle ou je ne sais pas quelqu'un qui est ici est connecté à un nom, Michael. Moi j'ai ma fille qui s'appelle Michel. Oui, c'était Michel, Michael. Oui. J'étais en train, je sais pas là où elle est, mais j'étais en train de voir une personne alors qu'on était en train de prier. Ah, voilà. C'est une onction, ça devient clair. Ça devient clair maintenant. C'est une onction prophétique. Une onction prophétique qui est sur sa mère. Oh yeah. Une onction prophétique qui est sur sa mère. Dieu me dit, je sais que j'ai déjà vu la maman, mais de loin. Mais je sais qu'on l'appelle pasteur Joël. Mais au fait, pendant que je suis en train de regarder spirituellement, je vois que son appel est attaché au prophétique. Prenez ça. Son appel est attaché au prophétique. Yeah. Maman Joël, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits des prophètes, je vois comme une autorité prophétique qui a été établie sur un trône. Parmi plusieurs trônes, je vois un trône sur lequel on l'a établi. Avec une couronne en or. Une couronne en or. Et on l'appelait prophétesse Joël. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé, l'a établi là-bas pour manifester que Jésus est Dieu sur la terre. C'était ça sa mission. Alors je voyais cette onction. Je voyais comme elle s'est dédoublée. Hein? C'est comme si elle était homonyme. Comme si elle était homonyme. Homonyme à cette fille-là. Et elle s'était doublée. Je voyais des choses d'elle. Une onction prophétique qui était sur elle allait sur Michel. Yes. Il allait sur Michel. Et Michel est comme. Je sais que tous les enfants sont attachés à maman. Mais Michel, je voyais un attachement un peu plus particulier. Particulier à sa maman. Et je voyais pendant qu'on priait, on chante. Pendant qu'on chantait, il y a une musique prophétique qui entrait en elle. Une onction prophétique puissante qui entrait en elle. Et je voyais que ça, c'est ce qui s'est passé maintenant. Ça se déplaçait et ça allait vers elle. Et Dieu me disait, ce qui vient de se libérer ici se repose sur elle. Amen. Je voyais cette femme
Je parle de femme parce que je suis dans le futur. Yes. Dans la vision, je suis dans l'avenir, je ne suis pas dans le présent. Je voyais une femme forte, une femme qui était en train de circuler dans le monde entier. Oh. Plus que sa mère. Elle, elle se tenait devant des personnes. Je voyais des salles. Je voyais des salles dans lesquelles je ne voyais pas trop d'Africains. Hein. Je voyais pas trop d'Africains. Je voyais plus des races, des blancs et de tout ça. Donc, je voyais que Dieu était en train de lui donner une large spectre, une large puissance, une large autorité, mais c'est à l'extérieur de la RDC. Amen. Parce que c'était à l'étranger. Donc pendant que je suis en train de parler à l'étranger, mon esprit le cherche en Europe, je ne la vois pas. Mon esprit part en Amérique. Et quand je pars en Amérique, c'est là-bas que je suis en train de la voir. Yes. Je la vois en Amérique. Yeah. C'est là-bas que je la vois. Donc je vois une personne que Dieu affecte par une onction prophétique très puissante en ce moment. Une onction prophétique très puissante. Alléluia. 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 S'il y a d'autres messages, vous pouvez libérer, nous sommes enregistrés. Il y a un message que j'aimerais libérer sur la nation. J'aimerais le faire dans ce moment calme pour qu'on le comprenne. Je vis le mois de juin, avant d'arriver en juillet, avoir beaucoup de surprises pour la République démocratique du Congo. J'ai vu Dieu dévoiler beaucoup de choses en ces mois de juin 2020. Et j'ai vu Dieu confondre aussi beaucoup de choses. Et l'un des signes, c'est que j'ai vu, selon les spéculations et les analyses juridiques, politiques, beaucoup de surprises et beaucoup de confusion parce que Dieu voudra montrer à ces personnes qu'il est le maître à bord, même dans la politique. Et j'ai vu clairement la mort de Kalnevlos Klabacha. Je suis prophète, je vais libérer ce que je vois tel que je le vois et ça arrivera. Pas en ces mois, ça peut arriver en ces mois, mais je le vois dans un avenir très proche. Klevklevas Klemas Klavos. Je vois parmi des personnes accusées en ces moments, sans être trop précis pour attirer les gens, parmi des personnes accusées en ces moments, dossier Kamere, dossier Mukune, etc. Mais je vois un détenu rendre l'âme, mais comme par une sorte de crise, et cela fait parler les gens. Mais j'ai vu Dieu permettre cela pour simplement faire passer un cycle ou une saison de la juridiction congolaise à un autre niveau. Je vis Dieu permettre la mort d'un des détenus et la juridiction, les juges perdent le contrôle de la situation pour continuer avec un certain procès que je n'ai pas précisé maintenant, retenez seulement comme ça. Et j'ai vu Dieu, Marashageva, j'ai vu Dieu par cela semer la crainte dans le cœur de plusieurs grandes autorités que nous connaissons actuellement. Et Dieu m'a dit, là je l'ai reçu avant même de venir dans ces moments de prière, le Seigneur m'a dit, on verra maintenant plusieurs morts, mais qui ne seront pas par empoisonnement, mais ce seront des personnes que Dieu lui-même va prendre. Ça sera par des arrêts cardiaques et par des crises. Il y aura des informations où on dira telle autorité politique ou telle autorité morale ou telle autorité quelconque a été retrouvée mort sur son lit, sur sa chaise ou je ne sais, par une crise. Et cette chose sera au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'au mois d'août. Qui le fera? Dieu le fera parce que Dieu va prendre le contrôle. Là où l'armée ne peut pas entrer, là où un homme ne peut pas entrer, Dieu va entrer pour commencer à éradiquer ce qui constitue un cal pour cette nation. Et j'ai vu encore une chose. Là, le Seigneur m'amène à l'est. J'ai vu l'est du pays, j'ai vu Bunia, j'ai vu vers les Kisangani, j'ai vu jusqu'au niveau du Katanga. J'ai vu des arrestations, je l'ai dit au début, j'ai vu on arrêter quelques regroupements de rebelles. Et j'ai vu, on a arrêté un homme, je l'ai dit ici, un homme, au nom de Gédéon. J'ai vu, on a arrêté encore un homme au niveau de l'Est. J'ai vu des personnes, des regroupements qui vont venir laisser des armes à cause d'une faveur que Dieu est en train de mettre sur l'armée de la République.
Dieu dote notre armée de la République d'une onction, de la fardessée, d'une onction extraordinaire pour éradiquer la rébellion. Et j'ai vu des rebelles être captivés. Et j'ai vu certains remettre des armes. Je suis prophète, j'aimerais le dire de cette manière, tel que je le vois. Je vois un regroupement de 150 personnes déposer des armes. On le verra dans les informations. Je vois un regroupement de 57 personnes déposer des armes. Ils sont nombreux au niveau de l'Est. Et ils vont commencer à remettre des armes parce qu'il y a un signe que Dieu va faire. Dans Exclabos, dans un avenir très proche, environ une cinquantaine de jours, j'ai vu un grand rebelle financé par des pays limitrophes être saisi. Yes. Être saisi et être jugé ici. Yes. Ici par la RDC. Yes. Claude Mélacha. Et Dieu m'a dit, c'est ainsi que le processus de l'éradication de la rébellion au niveau de l'Est va commencer de cette année, à partir du mois de juillet, jusqu'en 2021. Et Dieu va amener la paix. Yes. Et une sorte de paix va revenir. Yes. Mais le signe que j'ai vu avant ces choses, j'ai vu un territoire au niveau de l'Est dont le nom est caché, être conquéri par les rebelles. Mais j'ai vu cela ne faire qu'environ 2 semaines ou 3 semaines. Et Dieu récupérer cela. Mais quand ce territoire sera conquéri, on parlera de ça même sur Top Congo, on parlera de ça dans certaines chaînes de télévision. Sachez que Dieu a simplement le contrôle de la situation. Amen. Et j'ai vu une chose, Klaba, Lemas, Clovetas. Dieu me dit de dire au peuple congolais, je m'associe aux onctions ici présentes. Le Dieu de mon père est en ces lieux. J'ai vu le corona ne pas faire trop de cas comme on le pense, même après des confinements. Amen. J'ai vu certaines tentes au niveau du parking du grand hôtel chômer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu une sorte de mort comme on les pense avec le corona à l'étranger. Dieu va gérer les dégâts. Et on vivra de guérisons miraculeuses à distance. Des personnes qui vont guérir traditionnellement chez eux. Des personnes qui vont guérir par la prière. Des personnes qui vont guérir dans des hôpitaux. Parce que Dieu a réduit l'impact du corona dans cette nation. Alléluia. Retenez, Dieu a réduit l'impact du corona dans cette nation. Alléluia. Marasle Vegas. Et j'aimerais donner ce message qui doit atteindre la présidence aussi. À part le crash que nous avions vu, j'ai vu un plan, mais comme d'attaque, d'attentat physique, d'assassinat. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. J'ai vu une personne dans l'armée en complot avec quelques personnes, un groupe de personnes, faire un plan par une certaine unité de soldats qui sont d'une certaine unité dans la FARDC. Je les ai vus faire comme une sorte d'attaque au président. Et je ne sais pas, c'est comme si en route, en chemin ou au niveau de sa maison, mais c'était comme un sabotage et c'était pour l'atteindre. Mais Dieu a maîtrisé la situation où il est sorti sain et sauf, mais j'ai vu des blessés. Et Dieu me dit de dire à la présidence que Jésus-Christ reste élevé et Jésus-Christ va sécuriser les arrières. Amen. Et j'ai vu Dieu établir le règne de Jésus, de Christ, aux deux assemblées. Je vois au Sénat, au Parlement, et j'ai vu clairement l'influence du président s'étendre au niveau de deux parlements. Et j'ai vu dans le jour qui vient, Clema Chanderabus. J'ai vu dans le jour qui vient, certaines personnes dont on va enlever l'immunité. Ça sera automatique parce que j'ai vu des personnes qui vont passer encore dans des jugements, dans des tribunaux, pour être jugées. Et je l'ai vu clairement. Mais ça ne sera pas filmé pour tous, mais ils passeront par là pour simplement montrer que Dieu est en train de ramener les choses. De ramener les choses. Et cette parole, je l'ai eue hier, alors qu'on était au premier jour de ce programme. Dieu m'a dit pour la situation économique de cette nation, j'étais en train de voir comme un homme qui était mince, maigre, très affamé sur une montagne qu'on appelait montagne de l'économie. Mais ça m'étonnait de voir cette personne avec son état de famine, mais sur une montagne de l'économie. Et Dieu m'a dit, c'était le type de pays, le type de peuple qu'on voulait sur la montagne de l'économie de cette nation. Et Dieu m'a dit de vous dire
de dire à la RDC, l'économie va commencer à s'arranger. Le dollar va commencer à baisser. Les choses vont commencer à s'arranger. Pas par des analyses ou pas par des efforts humains, mais j'ai vu Dieu s'organiser pour que le taux du dollar commence à baisser, pour que la vie commence à devenir facile. Mais cela a vraiment commencé à partir de décembre et j'ai vu cela aller de janvier 2021 jusqu'en 2022. Et le Seigneur m'a dit ceci, le Congo l'appartient et il va reconquérir totalement cette nation. Et c'est de cette manière qu'il va confondre tout ce qui se tient pour empêcher l'épanouissement ou le relèvement de cette nation. Yes. Au nom puissant de Jésus, parole du Seigneur. Yes. Rendons grâce au Seigneur Dieu. Je devrais juste libérer une parole pour, yes, pour l'homme de Dieu. Du pasteur Camille. Pasteur Camille. Pasteur Camille. Le révérend vous a présenté comme venant du Rabat, oui, Maroc. Oui. J'étais en train de voir, pendant qu'on était en train de prier, je ne suis jamais allé là-bas, mais je voyais, comme j'étais en train, on m'a amené, je voyais une nuée quitter ici et partir là-bas. Mais, je m'excuse, ça partait, je suis arrivé dans une sorte qui est comme une sorte, un lieu qui est comme un rond-point. C'est comme un rond-point. Hein? C'est un rond-point. Je suis même en train de voir le pavé. Hein? C'est comme, c'est pas comme nos macadam ici. C'est comme pratiquement dans les couleurs de ces carreaux. Mais ce ne sont pas des carreaux. Ce sont pas des carreaux. C'est comme des dallettes. Oui, oui. C'est comme, voilà, des dallettes. Je ne sais pas si je suis où. C'est, j'arrive là-bas. Et puis, je vois comme des avenues qui se rencontrent. Une avenue qui vient ici, l'autre qui vient là, l'autre qui vient ici. Je sais que l'autre, quand vous allez comme ça, vous allez, je suis en train de voir une banque quelque part là. Quand je pars sur ça, je prolonge, je vois une banque, je n'entre pas là-bas. Il y a une banque qui est là. C'est une banque française. La banque que je vois est une banque française. C'est, mais au fait, banque française. Alors, il y a une banque là-bas. Donc, mais seulement, je prends la direction qui part comme si j'allais du côté où vous habitez. Donc, rond-point, et je prends pas cette direction, pas l'autre ici, mais je prolonge comme ça. C'est comme si j'allais comme ça et j'allais dans un lieu comme un appartement, comme un lieu où vous habitez. Le Seigneur n'a pas permis que j'entre. Je suis vraiment arrivé là. Je suis arrivé là et je suis en train de voir vraiment le portail, comme l'entrée de l'immeuble, comment c'est et tout ça. Je vois même cette couleur là d'un côté comme noir comme ça, tout ça. Je suis en train de voir tout, mais le Seigneur n'a pas, voilà. Donc voilà, là maintenant c'est comme si je suis en train d'entrer. J'entre comme un hall, il y a comme un hall, mais il y a comme de l'escalier, il y a aussi de l'escalier de l'autre côté. Il y a l'ascenseur à gauche, à ma gauche, quand j'entre là, mais il y a l'ascenseur, il y a les escaliers. Vous confirmez? Donc, je suis en train d'arriver. Mais au fait, je n'arrive pas, je ne vais pas arriver, si vous voulez, je vais arriver jusqu'à la chambre et tout ça. Bon, tout ça. Mais au fait, je ne vais pas arriver là-bas. Le Seigneur voulait juste que je vous dise, il y a que... Vous avez il y a comme un bureau dans votre... Il y a un bureau dans votre maison, là où vous habitez. Un petit bureau, au fait. Oui. Un bureau. Oui. Un bureau où... vous êtes un homme cultivé. Oui. Vous avez une bibliothèque. Oui. C'est immense. C'est immense. C'est beau ça. Vous êtes très cultivé. Wow. C'est les rares des hommes de Dieu qui ne lisent pas que les livres spirituels. Lui, il lit même des livres politiques et tout ça. Il est béni. En fait, dans ce bureau-là, je vois comme sur la table, je vois la lumière du table et tout ça, hein, là-bas, jour, là, à côté droit. Donc, je suis en train de voir clairement. Mais quand j'entre là-bas, je vois sur la table des projets. Des projets. Mais parmi les projets, il y a comme un projet d'établissement à l'étranger. Mm. My God. Un projet d'établissement à l'étranger. Vous voulez... Dans un autre pays que le Maroc. Non, voilà. Pas dans un autre pays. C'est-à-dire, quand je parle de l'étranger, je ne parle plus d'Afrique. Je parle... Oh. Est-ce que vous voulez aller au Canada? Yeah! C'est déjà sorti à maintes reprises, on en a parlé plusieurs fois. Ok. Au fait, c'est là-bas que je suis en train de voir. Je vois ce projet pendant qu'on priait ici. Vraiment, Dieu allait jusque là où j'ai détaillé, jusque dans ce bureau. Il a pris ça
il a confirmé des choses. Au fait, les choses vont aller. Je vous ai dit ça. Oui. Pendant qu'on priait à la maison, j'ai dit qu'on prenait les projets. Oui. Lui, on remet votre projet entre les mains pour partir. Oui, oui. Vous partez vraiment. Vous partez vraiment. Et après le confinement, il y a une vitesse. Une vitesse. Vous allez subir un choc. Dieu va vous gifler de sa bénédiction. Il va vous estomaquer. Il va vous scandaliser. Il va vous faire des choses. Des choses qu'il vous avait promis. Mais même des choses qu'il ne vous avait pas promis. Des choses pour lesquelles vous avez reçu des recommandations pour améliorer votre anglais, pour améliorer votre informatique, pour améliorer, pour vous cultiver de plus en plus par rapport à ce domaine-là. Hein, des choses, je suis en train de mettre ça dans le sang de Jésus. Et puis, bon, voilà. Mais c'est là-bas. Dieu confirme ça. Amen. Et Dieu prend ces choses après le confinement. Amen. Vous allez vivre la main de Dieu. Amen. Et ça vient de se libérer encore ici aujourd'hui, cette journée. Yes. Béni pour vous. Mais après, il y a une dernière direction que je recevais. C'était par rapport à la nation. C'était pas. Je ne suis pas dans la prédiction. Mais c'est, je suis dans l'orientation. Amen. Donc, je voyais qu'on m'amenait dans les forêts. Mais dans les forêts qu'on m'amenait, on ne m'amenait pas dans les forêts parce qu'il y avait guerre. On ne pouvait pas cultiver des choses. On m'amenait dans les forêts parce qu'il y avait des découvertes. Des plantes médicinales. Oh, yes. Des plantes pharmaceutiques. Amen. Ça vous dit quelque chose? Oui, je suis du domaine. Vous êtes du domaine? Oui. Ah, ok. Donc, j'ai fait la pharmacochimie. Oui, oui. Et j'ai travaillé sur les médicaments de ces pays. Oui. Et j'ai décidé maintenant de travailler sur les plantes médicinales. Exact. C'est ça que j'étais en train de voir. Je voyais que Dieu, pourquoi? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que Dieu veut vous associer. Lorsqu'il vous amène à l'étranger, c'est juste pour qu'il vous donne plus de plus large ouverture. Oui, réseau. Un grand réseau qui vous permet de vous investir, de vous stabiliser bien, afin que vous trouviez des partenaires qu'il faut pour venir développer la pharmacothérapie. Tout à fait. La pharmacothérapie ici. Pourquoi? Parce que dans le bureau de la présidence, sur la table, le président est déjà en train de travailler pour une production des médicaments locaux. Il est en train d'associer plusieurs des Congolais. Et il associe plusieurs des Congolais, ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont ici. Dieu me dit qu'avant que vous ne puissiez partir à l'étranger, il commence déjà à ouvrir ces choses parce que vous êtes l'un des éléments catalyseurs que Dieu va utiliser. Amen. Amen. Pour rendre le Congo autonome. Amen. Médicalement parlant. Amen. Pharmacothérapiquement parlant. Ça mérite d'acclamer Jésus. Et c'est ce que Dieu va faire au travers de vous. Et parce qu'il dit que le temps vient. Gloire à Dieu. Le temps vient où vous aurez une onction. Vous avez une onction prophétique. Yes. Oui, vous avez une onction prophétique. Amen. Vos songes ratent difficilement. Quand vous voyez des choses, vous les voyez. Vous voyez quand on vous vient vous expliquer des prédications et tout ça. Je suis en train de voir clairement tous ces songes-là, tout ça. Mais au fait, la chose que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu est en train de shifter cette onction. Cette onction est en train d'entrer. Dieu commence maintenant à spécifier votre onction prophétique. Amen. Il va vous parler sur des plantes. Oh. Vous dormirez et Dieu va vous parler sur des plantes. Dieu va vous parler sur des choses qu'il faut. Hein? Oui, vas-y. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose. Aujourd'hui, vous avez vu quelque chose. Oui, oui. Et j'ai essayé moi-même. Ouais. Et j'ai senti comment le Seigneur me parlait qu'avec ça, tu vas étonner le monde. Yes. Et j'ai trouvé une plante. Ah. Il me parlait d'une association de deux, trois plantes, d'une manière traditionnelle, qui vont soigner et les cancers et de plusieurs maladies. Il dit, avec ça, tu vas aller dans le monde entier. Ça m'est venu comme ça aujourd'hui même. Exact. Et dans les songes. Même quand il me parlait, aujourd'hui, j'entendais une voix qui me disait exactement. Tu dimension sais que tu prophétique. Même dans la présidence. Tu seras appelé là-bas, tu vas entrer et tu vas. J'ai eu exactement ce que vous êtes appelé. Yes. Il y a des. Ouais. Il y a comme des moutouzo. Des plantes, hein. Moutouzo. Hein? Moutouzo, ça existe, oui. Quelque chose comme ça. Mm. Les moringas, je connais. Oui. Les moringas, je connais. Mais il y a des plantes bizarres là.
Dieu, j'aimerais finir ce que j'étais en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, vous venez de recevoir, parce que puisqu'il est écrit, on ne peut pas accepter un témoignage si, sinon à la déposition des deux témoins. Vous venez de recevoir le deuxième témoin que vous attendiez pour confirmer l'onction prophétique qui vient de tomber sur vous. Amen. Qui est tombé. Mais en fait, si Dieu me dit, c'est vous-même qui avez provoqué ça. En fait, depuis que vous êtes ici, vous priez beaucoup. Yes. Vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup. Je vous vois même, ah, vous êtes un homme humble. Hein? Vous quittez même de plus en plus le lit et puis vous êtes par terre là, tout ça, en train de prier là par terre. Ça, c'est quelque chose. Bon, je ne vais pas entrer plus là-bas. Mais seulement que j'aimerais juste vous dire que Dieu m'a dit que vous avez provoqué cela et yes. Il veut vous utiliser. Votre onction va croître. Puisque nous sommes dans un temps où l'église du Congo ne va plus seulement être dans les parlants en langue, dans les tout ça. Nous allons entrer dans la science avec l'onction de Dieu et nous allons entrer dans ces choses-là. Nous allons commencer à comprendre les propriétés des plantes et vous êtes parmi les piliers, les précurseurs chrétiens que Dieu va élever puissamment dans le monde avec le drapeau de la RDC, mais aussi avec le drapeau de l'église. Amen. Ainsi a parlé le Seigneur. Restez connectés à lui et Dieu vous bénit. J'aimerais d'abord confirmer des messages. Le pasteur Camille Kalongi est professeur docteur en pharmacochimie. Donc c'est son domaine. Et aujourd'hui je comprends que Dieu veut associer cette science-là à la grâce prophétique. Lorsqu'il était très jeune, il dirigeait la chorale. Il prophétisait comme prophète. Mais avec le temps, cette grâce-là ne se manifeste plus de cette manière-là. Mais je ça s'est fait maintenant au bureau pastoral dans les consultations. Mais je comprends maintenant, avec cette prophétie, que Dieu va utiliser cette grâce maintenant en association avec la science, avec la pharmacochimie, pour la pharmacothérapie, avec la phytothérapie, ainsi de suite. Que Dieu soit loué. Merci. J'ai commencé le projet. J'ai parlé avec quelques personnes de comment je peux commencer avec ce projet. Ne dites pas ça ici, nous sommes en ligne. Gardez ça, nous sommes en ligne, on garde gloire ça. À Dieu. Ça, ce sont vos projets. Mais nous confirmons le message. Que Dieu soit loué. Avant de finir, j'aimerais donner un message. Ce message. L'Éternel me l'a donné, ça faisait un bon bout de temps, mais c'est un message qui est revenu encore. L'Éternel était en train de me parler parce que j'avais posé la question à Dieu, mais qu'est-ce qui allait arriver après cette pandémie du coronavirus? Je crois que je l'ai posté une fois en passant dans mon statut, mais c'est un message qui vient de me revenir. L'Éternel m'a dit ceci. Que l'après-coronavirus va changer deux domaines dans le monde. Le premier domaine qui va subir un changement, c'est le domaine médical. Vous allez vous rendre compte qu'après le coronavirus, les Africains vont se lever et vont investir plus d'argent dans le domaine médical. Vous allez voir que plusieurs gouvernements en Afrique vont donner plus de budget à la recherche médicale. Et la deuxième des choses que l'Éternel est en train de me dire qui va basculer dans le monde, c'est dans le domaine financier. Il y a plusieurs pays qui vont émerger dans le domaine financier et les États-Unis et les autres puissances vont perdre leur suprématie, leur position. Et l'Éternel est en train de me dire. Et ça, j'aimerais parler à nos gouvernants africains, non pas seulement congolais. Ne passons pas à côté de cette opportunité spirituelle que Dieu donne à l'Afrique. L'Afrique a souvent raté. L'Afrique est souvent passée à côté de beaucoup d'opportunités que l'Éternel était en train de donner pour vivre même une indépendance financière. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Qu'il y a un pays en Afrique qui va beaucoup émerger dans le domaine économique et financier, c'est le Nigeria. Dieu m'a dit que le Nigeria sera un pays qui va beaucoup avancer,
Mais le Nigeria va aussi beaucoup avancer dans l'automobile. Et après le Nigeria, j'ai vu un pays qui va aussi vivre comme une propulsion économique. Je veux vraiment le dire, c'est le Rwanda. J'ai vu le Rwanda monter, même dans la médecine. J'ai vu le Rwanda beaucoup émerger. Mais bizarrement, les pays africains qui vont émerger trouveront leurs ressources ici, en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je suis en train de demander à nos dirigeants congolais, ayez une bonne volonté et un bon vouloir de booster ce pays et que ce pays aille de l'avant. Moi, je crois que la République démocratique du Congo peut même être la première puissance du monde. Moi, je le crois. Ouais. Moi, je le crois. C'est possible, moi, je le crois. Beaucoup de ressources. Et je crois qu'après ce moment de prière, je sais qu'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont compris que c'est le temps de prier pour notre nation. Amen. Et notre nation va émerger dans le domaine de la médecine et dans le domaine économique et financier. Ça, je le crois. Et je prie que l'Éternel envoie dans ce pays des bonnes personnes qui vont faire assez que ces choses s'accomplissent. Amen. Mais aussi, vous allez vivre la mort d'un grand président en Amérique du Sud. J'ai vu un dictateur mourir en Amérique du Sud. Et l'Éternel est en train de me dire que ça sera la libération de ce peuple-là. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer le roi? Voilà, on va faire des dernières déclarations pour ce soir. Demain aussi est un jour, demain nous serons là. Nous allons faire les dernières déclarations. Bénissons ce pays. On commence avec les dernières déclarations, puis on commence par les dernières déclarations. Vous allez m'amener les balais. Nous allons balayer la corruption de cette nation. Et puis après avoir balayé la corruption, vous allez m'amener les plateaux qui a les sables. C'est le sol de cette nation. J'avais déjà prévu la terre avant même que vous puissiez donner la prophétie sur la terre. Qui a donné la prophétie sur la terre? C'est vous. La terre, on avait déjà prévu la terre. On va aussi prier pour cette terre. Non, Dieu est merveilleux. Quand c'est monté à moi qu'il fallait prier pour la terre, on ne savait même pas qu'il y aura toute cette. Moi, j'avais prophétie. L'impression de demander qu'on amène la terre. Il y avait la terre était déjà amenée, la terre est là. On va prier, on va déclarer sur ça. Le Dieu des esprits, des prophètes est au rendez-vous. Ok, déclarons sur la nation. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous bénissons la RDC. Nous bénissons cette nation. Tu es fidèle. Les Congolais n'aiment pas leur pays. C'est ta parole qui a créé toutes ces choses. Par ta parole, nous croyons au Seigneur, au changement du Congo, à la grandeur de ta bouche, de ta présence. Au nom de Jésus, souhaiter que ce pays soit propulsé de l'avant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le bon et précieux de Jésus. Amenez ce balai là. Dans le nom de Jésus, pendant que nous sommes en train de déclarer, nous balayons la corruption. Nous balayons au nom de Jésus. Nous chassons la corruption. Nous chassons la corruption. Tout celui qui sera dans la corruption sera dans la
la confusion sera confondue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus, Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus le sang de la rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Qui chasse cet esprit, cet esprit géant. Alléluia. Qui s'est éteint. Qui a élu l'homicide dans cette nation. Oh, la corruption. Nous te chassons. Nous te chassons. Nous te chassons. Nous te chassons. Oh, nous détruisons le pouvoir de la corruption. Nous balayons le pouvoir de la corruption. La RDC. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Ramachataya. Merci, les gars de tout le monde. Voilà. Que chacun touche cette terre-là. Korabasha. Korabasha. Ça, c'est la terre de la RDC. Cette terre que le pouvoir coutumier est en train de réclamer. De réclamer. Parce que le pays a été consacré à l'Éternel. Ils sont en train de réclamer ce pouvoir. Nous récupérons le pouvoir de la terre. Au nom de Jésus. Tout le pouvoir ancestral est fini au nom de Jésus. C'est dans le sol que tu as béni ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Soyez bénis abondamment. Amen. Que l'Éternel vous fasse du bien. Amen. Lorsque vous allez suivre ce message, oh, bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Donnez vos réactions. Nous avons besoin de vos réactions. Nous avons besoin de vos questions. Nous avons besoin de vos suggestions. Merci. Nous allons continuer demain. Avec les hommes de Dieu, il y aura encore d'autres hommes de Dieu qui vont s'ajouter. Prophète, tu as une parole. Micro. Pendant que vous remettiez priez, ici, oui. Le Seigneur m'a dit, il y a un dernier acte prophétique qui a manqué. Yeah. Le Seigneur m'a dit, vous devriez prendre de l'eau. Yeah. Verser. Yeah. C'est le sang de Jésus. Mm. Et puis après, on va ramener ce sol là-bas. On va l'éparpiller pour symboliquement. Donc un autre signe prophétique, un autre rituel prophétique avant de terminer, c'est le sang de l'agneau que nous versons sur la terre congolaise. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau que nous versons sur la terre congolaise. Le sang de Jésus sur la terre du Congo. La vie. Le sang de Jésus sur la terre du Congo. Au nom de Jésus. Et cette terre, nous allons la sortir. Les papiers dehors. Le sang de Jésus sur la terre du Congo. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Amen. Restez dans la paix du Seigneur. Oui, allez-y rapidement, nous sommes à la fin. En fait, ce que je veux dire, c'est par rapport à la parole de Dieu. Les hommes de Dieu et les prophètes ont prophétisé sur cette nation. Mais il y a quelque chose qui doit être fait pour que cette nation se relève. On peut lire la parole de Dieu dans les livres de Exode. Exode 18. Nous sommes dans Exode 18. C'est juste les conseils que j'ai trop à donner à Moïse. Les conseils de Jéthro, nous sommes dans Exode 18, 13. Le lendemain, Moïse siégera pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens s'étaient devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci s'est donnée pour le peuple, il lui dit, pourquoi agit-il de cette façon? Pourquoi agit-il de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi siège-t-il seul et pourquoi tous ces peuples attendent-ils debout du matin au soir pour se présenter devant toi? Moïse lui répondit. Allez-y. Moïse lui répondit, c'est pour que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi. Et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi. Car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul maintenant. C'est ce qui retient mon attention.
Regarde ce que j'ai trop dit à Moïse. Maintenant, écoute les conseils que je vais te donner. Et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de les porter et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer les ordonnances et les lois. Tu leur enseignes la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour les restes, regarde ce que j'ai trop dit. Pour les restes, choisis parmi les peuples des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux, yes, de la vérité, incorruptible. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef de mille, de milliers, chef de centaines et chef de cinquantaines et chef de dizaines. Je m'arrête par là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les prophètes, ils ont beau parler, ils ont prophétisé. Mais ce qui reste pour cette nation, il faut que l'homme congolais prenne conscience de marcher dans la crainte de Dieu pour bouter dehors la corruption. Dieu cherche des hommes qui ont le caractère. Dieu cherche l'élite congolaise qui a le caractère pour que ce pays se relève. Il ne nous suffit pas seulement de prier, mais il nous faut des hommes de Dieu, des hommes politiques qui ont, qui ont la bonne moralité pour amener le pays à se relever. Amen. C'est clair. Je pouvais ajouter sur tout ce que les hommes de Dieu ont dit. Une élite qui craint Dieu, une élite qui a une bonne moralité, une élite qui est bien disposée à travailler pour l'avenir de cette nation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous nous retrouvons demain à la même heure. Merci beaucoup et bye bye. Merci.